se réveille et regarde son calendrier de l'Avent. Il ne reste plus qu'une fenêtre à ouvrir. Tchoupi mange la dernière papillote. Youpi, ce soir c'est Noël. Tchoupi va faire les courses avec maman pour préparer le réveillon. Brrr, il fait froid. Heureusement, Tchoupi est bien emmitouflé. Il a mis une écharpe, un bonnet et des moufles. Oh, un bonhomme de neige! Comme il est rigolo avec sa carotte à la place du nez. Mais qui est à côté? Oh, c'est le Père Noël! Alors, tu as été bien sage? Demande le Père Noël. Oh oui, répond Tchoupi. Et j'ai même envoyé une lettre pour demander un petit train. Tchoupi est curieux. Il veut savoir comment le Père Noël entre dans la cheminée avec tous les jouets. Ah ah, c'est un secret. J'attends que les enfants dorment bien dans leur lit. De retour à la maison, Tchoupi décore le sapin avec des boules, des guirlandes et une étoile tout en haut. C'est prêt! Voilà justement papy et mamie. Quel beau sapin, Tchoupi! Papa a décoré la table avec des bougies. Ça brille. Et quand tout le monde a fini la dinde, maman apporte une bûche au chocolat. Miam miam! Il est tard maintenant. Tchoupi, n'oublie pas de mettre tes chaussons au pied du sapin avant d'aller au lit. Le soir, papa raconte l'histoire du Père Noël. Regarde, il voyage sur son traîneau tiré par des rennes avec sa grande hotte. Moi, je l'ai vu pour de vrai aujourd'hui, dit Tchoupi. C'est le matin de Noël. Tchoupi court dans le salon. Il a hâte de voir si le Père Noël a bien apporté les cadeaux. Oui, le Père Noël est passé. Fanny a une jolie peluche. Vite, Tchoupi ouvre son paquet. C'est le petit train qu'il avait demandé. Merci, Père Noël.